Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures sur le petit Limousin. Et du coup aujourd'hui comme promis, la récolte des betteraves. Donc j'ai revendu mon T8, j'ai acheté le Dutz. Alors la dernière fois on m'a dit dans les commentaires qu'il faudrait prendre un Fen. Donc je vais le prendre, je le prendrai dans un ou deux épisodes je pense. Du coup je vous explique, depuis la dernière fois, donc on me l'a indiqué dans les commentaires, comme quoi il y avait encore une nouvelle version qui était sortie. Donc là je suis toujours sur la V1.0.0.3, donc la V1.3 si vous préférez. Et il y a une V1.4 qui est sortie depuis, parce que petite correction de bug et une petite bêtise par-ci par-là à revoir. Et il va y avoir une V1.5, donc aujourd'hui c'est marqué sur le site dans quelques heures, donc c'est pour ça que je serais encore resté sur la V1.3. Au niveau des vaches limousines je crois, et il y a 2-3 petits autres trucs à régler, donc c'est pour ça que je suis encore sur la V1.3. Donc je vais basculer GG Wellplay, je vais ranger le tracteur, enfin ranger, je vais mettre le tracteur derrière la benne, hop, enfin devant la benne, je vais pas y arriver avant de repartir, je sais pas ce que j'ai foutu de ma benne, elle est là, voilà, je vais essayer de la prendre avant qu'il y ait une auto qui vienne m'enquiquiner. Donc voilà, je vais attendre la prochaine avant de basculer sur la V1.5 simplement, et comme ça je pourrais tout faire à la fois, et je suis quitte de la retélécharger deux fois. Donc alors c'est pas pour faire de la lèche hein, ni quoi que ce soit, je suis pas quelqu'un qui a un lèche cul ni quoi que ce soit, j'apprécie LBDT on va dire d'origine déjà hein, mais je suis très satisfait, très content de la réactivité. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la V1.3 on l'a eu, ou .4, je suis perdu avec ça en fait, 20.3 je crois, ça doit être ça, ou 20.4, peu importe. La version où je suis actuellement, il l'a sorti fin de semaine, début du week-end je crois, et on est déjà à deux nouvelles versions depuis ce week-end tout simplement. Donc vous voyez la réactivité, c'est quand même pas mal du tout. Moi je suis plutôt très content qu'il soit aussi réactif que ça. Après attendez, mettre en place, donc je vais pas braquer les roues parce que je vais maintenant ouvrir sur celle-ci et j'ai peur qu'il me fasse du caca, donc je vais la laisser droite hein. Je vais essayer de me mettre autrement. Reste là Maurice, enlève les phares. GG Wellplay. Reste là Maurice. Alors attendez, est-ce qu'il va faire tout seul comme un grand ou non? Voilà, il est parti. Du coup, je vais laisser le Tagazu dans un coin par là pour pas que ça dérange. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est pas pour faire de la lèche ni quoi que ce soit. C'est juste pour dire que moi, personnellement, je suis très, en quelque sorte, satisfait de sa réactivité. Hein, parce qu'il faut quand même... Je vais être obligé de repasser en 4 roues normal parce que là en crabe je glisse. Merde. C'est pas contrôle Y? Là. Ah, je peux plus braquer du tout ce coup là. Oh là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Bon, est-ce que tu vas me laisser faire ce que je souhaite ou pas? Voilà. Donc je suis plutôt satisfait de la réactivité. Certes, il y a deux versions en plus pour ceux qui sont dépêchés de télécharger l'avant-dernière, bah tant pis, il faudra recommencer. Mais voilà, ça prouve quand même qu'il travaille toujours aussi dur sur la map. Après, je sais ce que c'est que d'avoir une connexion pourrie, donc c'est plus le cas aujourd'hui, mais je sais ce que c'est que d'avoir une connexion pourrie, et c'est vrai que télécharger 1,27 Go 3 fois de suite, c'est vrai que ça peut être un petit peu chiant, mais bon, tu le fais le soir avant d'aller te coucher, et puis voilà, hein, ça passe tout seul, mais c'est vrai que je comprends que ça peut être un petit peu pénible pour certains. Mais voilà, moi personnellement je trouve ça quand même bien qu'il s'y est mis très rapidement à recorriger les bugs. Ça prouve que quand même il est encore sur sa map et il n'a pas sorti sa version rapidement, et puis après il a pu retourner dessus comme certains pourraient le faire. Mais voilà, je trouve ça super bien de sa part. Donc voilà, petit message début de cette vidéo. Ah, c'est vrai qu'on est déjà à presque 5 minutes de vidéo, mais bon voilà, il faut le temps que je mette tout en place pour qu'on puisse récolter tout ça. Et vous me connaissez, hein, une fois que je suis parti sur un truc et que je me perds dans mes mots, voilà, hein, c'est tout le temps comme ça. Donc la récolte de betterave. Alors personnellement, j'en ai jamais fait IRL. J'ai déjà vu une machine, mais je ne l'ai pas vu tourner. Alors j'en ai vu une tourner de loin, mais pas plus que ça.
J'ai jamais vu tourner la machine et je me rappelle plus de la marque, hein, je peux pas vous dire. Donc c'est un truc pour moi inconnu totalement. Donc on m'a dit que la machine fonctionnait en crabe. Là malheureusement en crabe vous avez bien pu voir que c'est pas possible, hein, simplement parce que je glisse, surtout que je suis pas sur un terrain plat. Donc pour l'instant je vais rester comme ça, on verra tout à l'heure au fur et à mesure si je peux modifier tout ça ou non. Donc j'ai commencé à faire le bord du champ tout simplement parce qu'autrement avec l'ouvrier vous doutez bien qu'il va nous faire de la merde comme d'habitude. Et du coup, voilà pourquoi j'ai déjà commencé à faire le bord des champs, tout simplement. J'ai amené la benne, bah, pour pouvoir vider l'ouvrier, parce que moi, à la limite, je vais encore bien aller au tas tout seul, hein, je suis assez grand, donc voilà. Et puis c'est tout, sinon des betteraves, j'ai jamais vu une planteuse à betteraves non plus. J'ai quelqu'un qui en fait pas loin de chez moi, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aller voir tout ça. En fait, voilà, j'ai jamais rien vu des betteraves, donc peut-être à part de loin et vraiment, oui, vraiment très loin. Donc ceux qui peuvent m'aiguiller là-dessus, ben, n'hésitez pas, hein, dans les commentaires. Je sais que déjà pour les patates, il y en a pas mal qui m'ont donné leur point de vue, comment qu'ils faisaient, etc. Donc voilà, si vous voulez réitérer, ben, n'hésitez pas. Je suis en train de réfléchir pour la carrière, on va pas dire 100% ni ultra réaliste, mais le plus réaliste possible que je vous ai parlé, que vous avez été quand même assez nombreux à me dire oui vas-y fais ça. Donc j'ai relevé déjà quelques modes, ouais, les principaux, hein. Le mode saison du coup qu'on fera partie, on se débrouillera comme on pourra par rapport à ça. Je veux absolument des tracteurs où tu peux ouvrir les portes. Donc j'ai commencé, enfin j'ai pensé commencer par les masser, ça doit être, je sais plus c'est à qui le pack de masser que j'ai d'ailleurs. Donc il doit être par là, voilà. Je sais plus qui c'est qui l'a fait, c'est Black Sheep je crois. Enfin, en tout cas, je sais que les portes s'ouvrent. Donc ça, c'est sûr. Bon, après, il fait 90 chevaux, mais voilà. Donc, je veux absolument des tracteurs où on ouvre les portes. Je vais mettre le manuel, ça doit s'appeler comme ça, le manuel attacheur ou je sais plus quoi. Enfin bref, pour attacher le matériel manuellement. Je veux absolument mettre aussi l'inverseur. Je crois que sur le mode, enfin l'add-on Chrome, sur la Comprima, il me semble que tu peux recharger les filets. Donc certes, tu le fais par la main. À part si vous avez une presse, si vous connaissez une presse en mode où tu recharges toi-même le fil à la main, ça m'intéresse. Mais je crois pas qu'il y en ait, je suis pas sûr de mon coup. Bon, en tout cas, pour l'instant, je prendrai la comprima de la Dawn Crown. Pour l'instant, je dis bien. Toc, hop, hop, voilà. Pour l'instant, je prendrai celle-là, je pense. Ensuite, j'ai le compteur de bottes. Donc, le compteur de bottes qu'on m'avait conseillé la dernière fois que j'ai téléchargé, c'est bon, c'est tout prêt. Et sinon, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, on m'a dit que le destruction de culture n'était pas forcément plus au point que ça, mais je vais le tester quand même. Donc, je vais le prendre. Et du coup, on aura un tracteur en roue étroite. Donc, on verra ce que ça donnera. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bon, on changera, hein, c'est pas un problème. Et du coup, je crois que c'est tout pour l'instant ce que j'ai relevé. Je me suis trompé de touche. Maurice, allez, Ben. Voilà, impeccable. Du coup, pour l'instant, c'est, je crois que c'est tout ce que j'ai relevé rapidement. Il y avait peut-être d'autres modes que j'aurais pu mettre. Et en fait, c'est surtout la map que je me tâte, en fait. Parce que. Alors, j'ai pensé à la Stop and Back. Me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Mais j'ai pensé à la Stop and Back. Pourquoi? Tout simplement parce que les fermes, tu peux les acheter. Donc là, rappelez-vous, on y était avant. Alors depuis, elle a été améliorée, je crois, parce qu'il y a eu 2-3 mises à jour de plus dessus. Alors déjà, parce que tu peux acheter les fermes. Donc au départ, vous connaissez le principe de farming et le principe de l'agriculture en règle générale. Hein, comme si ce serait le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, quelqu'un qui reprend, il va être un peu dans le caca. Hein, sans être méchant, donc je fais un tout droit. Hein, c'est normal, c'est pour me remettre à peu près en ligne. Donc en gros, aujourd'hui, tu es obligé d'investir. Une fois que tu as fini d'investir, tu n'as pas trop de sous. Et le principe de farming, c'est je récupère la ferme de mon grand-père et je suis un peu dans le caca, mais je vais essayer de m'en sortir. En gros, voilà, ça se passe comme ça sur farming en règle générale. Donc, j'ai essayé, enfin, je me suis dit pourquoi pas faire un mix des deux. Donc, c'est-à-dire que, comme sur la Stop and Back, tu es obligé d'acheter les fermes et qu'au départ, vous savez, il y a peut-être 4-5 petites fermes au milieu de la ville. Je me suis dit pourquoi pas commencer avec une des mini-fermes au milieu de la ville. Donc tu commences avec des céréales, bien sûr, avec un parcellaire qui est assez casse-burne, du genre t'as que des petits terrains. Et c'est pour ça que sur la Stop and Back, t'as quand même relativement des plus petits terrains que sur celle-ci, même si on a aussi. Pas dire le contraire, hein.
Donc tu commences avec des petits terrains qui sont très éloignés l'un de l'autre, donc ce qui est quand même bien casse-burne, hein. Et du coup, bah, commencer qu'avec des céréales parce que bah, tu peux pas faire autrement, t'as que ça. Bien sûr, le labour obligatoire, hein. Les trois passages d'engrais et de pulvée obligatoires aussi. On va faire du couvert végétal maintenant qu'on l'a. Qu'est-ce que j'avais d'autre en tête? C'est une très bonne question. Je suis en train de glisser et ça m'agace. C'est tout, je crois. Ah, si, il y a le. Pour la mouse batte. Donc pour la mouse batte, il me faudrait une voiture pilote avec une bagnole écrit convoi agricole dessus. Alors je pense qu'il doit y en avoir en mode, j'ai déjà dû en voir, il me semble. Donc bien sûr, comme je serai normalement tout seul sur la carrière, doutez-vous bien que moi je prendrai la place du bonhomme qui est dans la voiture et dans la machine, je mettrai le follow me. Donc il me faut le follow me, bien entendu. En tout cas, on essaiera de ne pas taper quelque chose. Mais voilà, faire le plus réaliste possible, comme je l'avais dit, et j'espère que ça se passera globalement bien, ce qui m'arrangerait assez fortement. Alors, du coup, si vous avez d'autres modes que vous voudriez voir, pas forcément des modes fonctionnels, hein, des modes, je dis n'importe quoi, moi, comment expliquer ça? Bah, par exemple des tracteurs où t'as les portes qui s'ouvrent ou des chômeurs ou ce que vous voulez, peu importe si vous avez des idées, des modes, ce que vous voudriez absolument voir, faut me dire dans les commentaires, je noterai tout ça. Et Chris m'aide là-dessus puisque effectivement le coût de la voiture agricole, j'y avais pensé, mais voilà, je me suis dit est-ce qu'il en existe ou pas. Il me semble que j'en avais déjà présenté, donc c'est pour ça que je crois, en tout cas il me semble qu'il en existe. Donc on s'occupera de ça et on verra ce que ça donnera. Donc voilà, comme j'ai dit, si vous avez des idées, bah, n'hésitez pas, hein, c'est le but, hein, c'est le but, c'est le but. Après, ouais, pareil, hein, pour l'ébène et tout ça, je suis pas forcé de prendre celle d'origine, on peut en prendre des autres. En tout cas, on va essayer de se débrouiller pour faire ça un maximum réaliste possible. Je dis pas que ce sera à 100%, puisqu'il y a des choses que tu ne peux pas faire autrement que de faire bah, du non-réalisme, hein, tout simplement. Donc on verra ce que ça donnera. Et du coup l'hiver, bon, on n'aura pas que du bois finalement, puisque IRL, vous savez très bien qu'il y a le labour d'hiver. Je pense que voilà, globalement tout le monde le sait maintenant. Même si vous n'êtes pas forcément du milieu agricole, la plupart d'entre vous le savent. Donc du coup je crois qu'avec le mode saison, tu as la réparation des tracteurs. Donc il nous faudra absolument un atelier. Si on n'en a pas, bon, on emmènera ça au magasin. Encore en plus sur la map, il y a... des horaires d'ouverture et de fermeture. Donc voilà, c'est pour ça que moi je propose le Snap and Back. Si vous en avez une autre en tête, n'hésitez pas à me le dire. Alors celle-ci est bien aussi. On est déjà dessus, déjà premièrement. Alors le Snap and Back, on l'a déjà fait aussi, effectivement. Mais les fermes ne sont pas achetées. Il n'y a pas vraiment une. Enfin, il y a des petits terrains et des gros. Mais comment dire? Vas-y, rebalance-moi ça là-dedans, là. Il y a des petits terrains et des gros, donc ça c'est bien. Mais pas autant sur la Snap and Back, donc je sais pas. À part si vous avez une autre map où tu peux acheter tes fermes, tu as des petits terrains et un moyen. Là, je suis preneur, faudra me dire dans les commentaires ce que vous pensez comme map. Mais voilà, je veux juste savoir. Et puis après, bah, on tranche. Hein. Si vous voulez une autre map, on va sur une autre map, c'est pas un souci du tout. Mais faudra me le dire assez tôt, tout simplement. Donc là, oui, on n'est pas en carré ultra réaliste, hein, puisque je roule dans la culture, mais voilà. Bon, c'est bon, on dépasse après. Il y a déjà assez de boulot comme ça, je pense. Mais voilà, je crois que c'est tout. Il y aura la fenaison des cultures, bien entendu. Mais bon, là, elle est activée d'office sur le mode saison. Donc, jusque-là, pas d'inquiétude. Et c'est tout ce qui me vient en tête pour l'instant. Alors, peut-être que j'ai oublié des trucs, mais voilà. En tout cas, pour l'instant, c'est tout ce qui me vient en tête. J'espère juste que les bâtiments sur la Snap and Back sont pas buggy. Parce qu'autrement, la pluie passe à travers les bâtiments et fait pourrir mes bottes. Hein. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas si on est sur celle-ci. Et il y avait autre chose aussi qui m'inquiétait un petit peu par rapport à ça. Est-ce que la neige elle tient sur la Snap and Back? Si elle ne tient pas, bon, bah, ce qui m'arrangerait, ce serait une map où la neige elle tient. Hop. Comme ça, on pourra se faire un petit peu du déneigement et on se débrouillera pour faire du temps par heure. On fera payer la commune. Sans faire trop de RP non plus, hein. C'est pas une question de RP, donc c'est du réalisme et non du RP. Vu que je suis pas forcément quelqu'un de très fan du RP, je préfère faire une carrière, on va dire, le plus réaliste possible plutôt que de faire du RP. Donc voilà, c'est un mix des deux, on va dire, en quelque sorte. Et vous êtes assez chaud pour ça, donc voilà, pourquoi pas, on verra ce que ça donnera. Il faudrait que je bascule en bas dans la raid Q là pour pouvoir aider un petit peu mon popole. Parce qu'il va arriver tout en bas et je vais l'avoir dans le cul.
on est bientôt à 20 minutes de vidéo, ça passe vite. Et du coup, je pense que niveau du temps des vidéos, peut-être que j'allongerai un peu parce que c'est vrai que sur une carrière ultra réaliste, c'est quand même rare que tu aies des accélérés. Hein. Je sais pas si j'en ferai. Je me tâte en fait parce que le truc, c'est que j'ai jamais vu un truc en accéléré sur une carrière réaliste. C'est vrai que 20 minutes, ça fait court parce que le temps que tu fasses la route, d'autant plus que quand on va commencer, normalement, on devrait commencer avec des vieux tracteurs ou des petits. Donc, normalement, IRL, ça roule à 30 et non à 60. Hein. Donc, si je roule à 30, qu'on a un peu de route à faire et que je fais que 20 minutes de vidéo, je pense que ça va être un petit peu court. Donc je pense que je les allongerai. Étant donné que normalement, ce sera pas tous les jours. Allez, avance. Et normalement, ce sera pas tous les jours. Donc, je pense que je peux me permettre de faire 10 minutes, 20 minutes de plus. Même si, je sais que parmi vous, il y a des gens qui regardent, enfin plus maintenant puisqu'on a presque 17 minutes de vidéo, mais voilà, parmi les gens, il y en a qui en regardent que 5 minutes, donc bon, voilà, hein. Ça sera toujours pour les plus fidèles de la chaîne. Tu veux pas redémarrer, cocotte? Si, c'est bon. Elle glisse, hein, la bécane, c'est un truc de ouf. Ah, puis voilà, en live, mais il va me casser les bonbons à chaque vidéo, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Allez, roule, ma poule! Et je trouve que la machine, elle glisse trop. Alors, IRL, je sais pas ce que ça donne, je sais pas si ça tient la route dans les champs qui sont un petit peu. Qui sont pas vraiment très plats. Enfin, quoique celui-ci est quand même relativement plat, mais ça monte un petit peu quand même sur le côté. Mais IRL, je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, dans le jeu, c'est quand même une sacrée savonnette. Et c'est assez pénible, je trouve. En tout cas, le rendement va être bon. Je me suis dit, je vais faire un plus petit champ que la dernière fois pour les patates, mais au final, on va encore en avoir deux fois de trop. Donc bon, peut-être qu'on en fera un second épisode depuis le pot de betterave. Il y a de fortes chances parce que bon, bah voilà, hein, c'est parti pour, hein, avec le tas de betteraves qu'on va encore avoir. Alors je suis pas loin de l'endroit où on la fabrique puisque c'est par là-bas. Mais voilà, on m'avait demandé de prendre le tapis pour faire des voyages. Enfin, vous savez, la grosse machine là pour les betteraves. Et du coup, on est là pour s'amuser. Il y a des gens qui m'ont demandé, moi il n'y a pas de souci. Du coup, je fais un tas dans le champ et j'ai toujours mon camion. On fera ça avec le camion, comme on a déjà fait avec les patates. Et voilà, et du coup, je pense que là-bas, devant le bâtiment, je remettrai le tapis, enfin les convoyeurs que j'ai, comme ça, ce sera quitte de faire 15 000 voyages au godet. On mettra ça devant le tapis, après, il se débrouillera tout seul comme un grand, on amènera l'eau. Et puis, je crois que c'est tout. Que de l'eau, il me semble. Me semble-t-il, hein. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est que de l'eau. Et du coup, elle a fuite, hein, la machine, hein, l'autre, il va, hein, malgré qu'il en prend pas toute la largeur à chaque fois. Il se débrouille pas trop mal, mon salarié bête, tout simplement. Donc voilà, comme j'ai dit, pour une carrière réaliste, je doute fort que faire des animations, vous savez, du genre, tu mets le course-plan en route et tu te mets dans un coin de route histoire de faire joli et tout, avec une musique ou de l'accélérer, je pense pas que ce soit vraiment très approprié, à part si vraiment vous voulez que je le fasse. Mais sinon, je trouve pas vraiment ça très très approprié à la chose. Ça fait moins réaliste, hein, du coup. Je sais qu'il y en a qui le font. Bon, après, chacun ses goûts et ses couleurs. Et chacun fait comme il le souhaite. De toute façon, j'y réfléchis assez régulièrement. C'est quand même dingue parce que quand je suis au boulot, je pense encore à YouTube. Alors, je vous explique vite fait. Donc, l'idée de la carrière réaliste plus du testeur de mods que j'ai prévu pour FS19 vient en fait des moments où je traie à la ferme. Donc quand je suis en train de traire, je réfléchis à certaines choses que je peux faire, certaines choses que je peux améliorer, enfin voilà, tous des trucs comme ça. Je pense pas du tout à ce que je fais. Mais bon, je fais quand même attention à ce que je fais, hein. Je suis pas à beubé à ce point-là non plus. Mais c'est régulier que je pense à des choses sur YouTube que je pourrais faire pour améliorer, ou ce qui pourrait plaire ou ne pas plaire, ou des trucs que j'ai pu voir et je cogite parfois. Et moi aussi je regarde des vidéos, hein. C'est pas parce que j'en fais qu'une fois que j'ai coupé la vidéo je m'enterre dans mon coin et c'est fini, hein. Je regarde quand même régulièrement des lives et des vidéos. Mais je trouve pas ça, c'est mon avis, hein. Mais il y en a pour leur carrière réaliste ou trucs comme ça qui font plus de coupures ou d'accélérer d'autres choses. C'est ça que je trouve assez curieux parce que quelque chose qui est réaliste, tu suis en temps réel. Sans coupure ni quoi que ce soit, c'est vrai que ça m'arrive de faire des accélérés ou des coupures sur la route, mais c'est quand on a en carrière suivi normal. En carrière réaliste, je trouve ça
un petit peu curieux de faire comme ça. Après, voilà, comme on dit, chacun ses avis, chacun ses goûts et ses couleurs. C'est vrai que la mode d'aujourd'hui sur YouTube, c'est tout ce qui est montage. Plus tu as de montage, plus tu as des musiques, des accélérés, des coupures, des effets spéciaux, des conneries, des machins, plus ça va fonctionner. Vous savez que moi, je fonctionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, la plupart d'entre vous le dites à chaque fois, reste comme tu es au naturel et ne change pas. Putain, il est déjà bientôt plein, lui. Reste naturel et ne change pas, donc je compte pas changer. Hein. Bien sûr, je fais parfois des coupures, bah oui, parce que j'ai le chien qui gueule, le chat qui fait des conneries, ou Juju qui a un truc urgent à me dire, ou voilà, des conneries pareilles, ou je suis perdu sur une map, ou voilà. Mais voilà, j'ai toujours été, on va dire, le plus naturel possible. Il m'arrive de faire des accélérés, parce que c'est vrai que la route en carré suivi, une fois que la route, tu l'as montré une, deux, trois fois en vidéo, bon, avec la force, tu connais le décor, etc., etc., mais c'est vraiment en carrière suivie basique. Après, voilà, je vois pas forcément l'intérêt en carrière réaliste, parce que c'est vrai qu'en réaliste, si tu fais une coupure le temps que tu fasses la route, je peux très bien à ce moment-là tricher, bourrer à 50 avec un tracteur qui est censé rouler à 30, et une fois que j'arrive quasiment au champ, je me recalibre à 30, et après, bon, bah, démerdez-vous, vous l'aurez jamais vu. Et du coup, toi derrière, tu peux te dire, ah bah, il nous a pas montré, ça veut dire qu'il a dû rouler à 50 comme un gros bourrin, histoire que la vidéo dure moins longtemps, enfin, pas la vidéo dure moins longtemps, mais histoire qu'il ait meilleur temps et tout ça. Tandis que non, c'est rare que je triche sur mes parties, à part pour une découverte ou une connerie pareille. Et j'ai toujours tout montré de mon avancement, ou alors la plupart du temps. Mais j'ai jamais forcément triché beaucoup sur mes parties. Voilà, comme j'ai dit, il n'y a qu'en découverte ou en présentation, mais c'est tout. Et j'ai pas envie de changer. Et c'est ça que je trouve bizarre aujourd'hui sur YouTube, c'est que le plus de gens, ou le plus de la communauté farming, ou de la communauté de tout et n'importe quoi, hein, recherche les moments où t'as le plus de coupures, le plus d'effets spéciaux, le plus de ces choses-là. C'est ce qui plaît le plus aujourd'hui. Chacun ses goûts et ses couleurs, hein, j'ai envie de dire. Chacun pense ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, je trouve ça quand même assez curieux qu'aujourd'hui, que ce soit que comme ça. Et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que nous, on reste en, pas en comité restreint, mais qu'on reste en petite communauté, et que tu vois pas forcément la différence d'un jour à l'autre. Hein. C'est vrai que tu passes sur des chaînes qui font ça, des gros montages, etc., etc. Tu vas passer un jour, il va être à temps d'abonnés, tu vas passer le lendemain, ça se trouve, il en aura pris 50 de plus en un jour, alors que tu passes sur une chaîne comme la mienne. Aujourd'hui, je crois qu'on est 3400 et des brouettes, autour de 3420, je crois. Et où est mon tracteur et ma benne? Très loin. Là. On tourne autour de ça. Et demain, tu vas passer. On sera toujours pareil. Tu vois, on sera toujours à 3420 et les brouettes. Et on n'aura pas changé. Ou peut-être un ou deux de plus. Une ou deux personnes de plus qui nous ont rejoints. Mais voilà, c'est pas pour autant qu'on va être 50 de plus d'un seul coup. Et c'est parce que bah, voilà, les gens recherchent plus de l'effet, des effets spéciaux et tout ça aujourd'hui, plutôt que bah, du naturel. Donc c'est pour ça que. Comme a dit Matt la dernière fois, lui et moi, on ne sera jamais au sommet comme l'a été JD, ou comme l'est aujourd'hui Energy. Quoique JD faisait pas forcément beaucoup d'effets spéciaux, à part pour sa carrière, je sais pas comment elle s'appelait. La ferme de l'extrême. Il n'y a que là où il fallait que ce soit droit, carré, et pour y avoir participé, je peux vous dire que c'est stressant. Parce qu'en fait, un tournage sur une séquence de 10 minutes. Ou même pas, un tournage sur une séquence de 30 secondes, il y a des fois, t'arrives de le refaire 15 fois. D'ailleurs, la vidéo est jamais sortie, alors on s'est fait chier pendant deux soirs de suite à faire ça, alors que la vidéo n'est jamais sortie parce qu'il a changé d'avis. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en fous. Mais c'est trop travaillé, tu vois, c'est trop droit, c'est trop scripté, c'est trop. C'est chacun ses goûts et ses couleurs. Certes, c'est beau à la fin, hein, parce que le montage est beau, les musiques sont chouettes et tout, le truc est pas trop mal réalisé. Mais c'est carré, c'est droit, t'as pas le droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, tu recommences depuis le début. C'est trop pour moi. Voilà, c'est pas dans le sens de ma chaîne à moi. Certes, chacun fait comme il veut, c'était sa chaîne, c'était pas la mienne. Mais voilà, c'est le fait que tu décales la route en l'espace d'une seconde, tu recommences. Il n'y a pas de décalage, c'est comme ça, c'est tout. Et si tu te trompes, tu recommences autant de fois qu'il faut jusqu'à ce que ça soit parfait. Et voilà, il y a
Il y a beaucoup de choses comme ça aujourd'hui. Et après, c'est sûr qu'un tournage peut durer 6 heures, 8 heures, 10 heures, autant de temps que tu veux. Dites-vous que derrière, si ça se trouve, tu as peut-être recommencé 15, 20, 30 fois la même chose, alors qu'au final, ça arrive de faire des erreurs. Après, voilà, c'est du scriptage, c'est comme ça. Et voilà, j'ai envie de dire que chacun ses goûts et ses couleurs, mais c'est assez curieux comme truc. Donc écoutez, on s'arrête là pour aujourd'hui. Aujourd'hui on aura récolté nos petites betteraves. Demain, on devrait suivre le cours du temps, c'est-à-dire faire le transport. Donc tout simplement, vous aurez compris le truc. En tout cas, j'espère que la carrière vous plaît toujours autant. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi ou une très bonne soirée si vous êtes à la vie d'une soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.